Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un velouté d'œuf aux pousses d'épinards. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici des belles pousses d'épinards, un petit peu de cerfeuil, des œufs, du parmesan en bloc, un petit morceau de beurre, un petit peu de crème, sel et poivre. Alors, la recette est vraiment très simple, elle est très rapide et elle demande quand même pas mal d'attention. Simple ne veut pas dire facile à réaliser. Ça veut dire qu'elle n'est pas compliquée en termes d'ingrédients. Regardez, 4 œufs. Jusqu'ici, tout va bien. Ici, ma petite sauteuse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai une petite sauteuse un petit peu conique comme ça. Donc, on allume ici. Alors, je vais me mettre sur 6 de 1 à 10. Et tout de suite, avant que ça commence à chauffer, je mets un petit morceau de 20 g de beurre. Ça me permet de voir un petit peu la température de ma casserole. Pendant ce temps, je vais déjà fouetter un petit peu mes œufs. Voilà, comme on le ferait pour une omelette, tout simplement. Donc on fait bien rouler son morceau de beurre. Voilà, et dès que le dernier petit morceau de beurre est fondu, tout de suite les œufs, parce qu'alors sinon on n'a plus de repère de température. Voilà, et une fois qu'on a mis les œufs, on ne répond plus au téléphone, on ne fait plus rien, on s'occupe maintenant de fouetter et de cuire nos œufs. Voilà, je suis passé à 5 maintenant, et puis je fouette, je fouette, je fouette, je fouette, je fouette. Si je sens que j'ai trop de chaleur, hop, je me retire, tout simplement. Alors ça prend quand même 8 à 10 minutes, tout doucement, hein. Mais croyez-moi, ça vaut la peine. Dès qu'on y est presque, regardez, je commence à voir le fond de ma casserole, là. Hop, je le mets ici, et je peux terminer ici. J'ai assez de chaleur. Et on va venir mettre la moitié de cette belle cuillère, hop, de crème. Ça fait baisser la température et ça stoppe la cuisson. Alors on va pouvoir rectifier l'assaisonnement, sel. On peut y mettre un petit peu de poivre. Immédiatement qu'on s'est cuit et qu'on a mis la crème, on verse. Et regardez un petit peu la consistance. On va prendre un petit peu de cerfeuil. Quelques belles feuilles d'épinards. Et puis un bloc de parmesan, une petite râpe fine. Et regardez, on va venir un petit peu encore assaisonner. Hein. Voilà, légèrement. C'est intéressant parce que c'est vraiment un velouté. Alors ça vous permet dedans, pourquoi pas, de mettre des petits morceaux de saumon fumé, de mettre des œufs de truite, de mettre de la truite fumée, de mettre de l'anguille fumée, de mettre des petits morceaux de restes de rôti de poulet, par exemple, pour agrémenter ça. C'est encore une fois la base de départ de votre créativité. Donc réalisez vos propres recettes, vous les écrivez, vous les photographiez et vous nous les envoyez en nous rejoignant sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!